Bonjour à toutes et à tous, je suis Tim de Space News. De par le monde, de nombreuses figures gigantesques défiant les capacités humaines ont été créées dans de nombreux pays. Les agrogrammes, des cercles de culture, ont commencé à apparaître à la fin des années 1960 en Australie, au Canada et en Angleterre. Mais il existe aussi des sculptures beaucoup plus anciennes. En Angleterre, le cheval blanc d'Huffington, au Brésil, ceux de la forêt amazonienne, au Chili, le géant d'Atacama, au Pérou, le chandelier de Paracas, en Russie, ceux de Sverdlovsk. On les appelle des géoglyphes parce que ces figures sont sculptées ou gravées à même le sol ou la roche. La première mention écrite connue des géoglyphes de Nazca fut faite en 1553, il y a donc presque 5 siècles, par le conquistador espagnol et chroniqueur du Pérou, Pedro Zieza de León. Mais ce dernier les prend pour des traces de pistes. Pourquoi? Tout simplement parce que ces figures gigantesques ne peuvent être vues et comprises entièrement que depuis l'espace et d'un point de vue aérien. Certains géoglyphes datent de plus de 3000 ans. Mais n'est-ce pas étrange que ces figures gigantesques ne puissent être vues dans leur ensemble que depuis un point de vue aérien, alors que ce n'est que 2500 ans plus tard que l'aviation va se développer grâce aux premières conceptions des Léonard de Vinci au XVe siècle ou encore les inventions des frères Montgolfier au XVIIIe et les ornithoptères, les hommes-oiseaux du XIXe siècle. On peut donc logiquement se demander quel était l'intérêt, il y a 3000 ans, pour des humains archaïques, de créer ces figures gigantesques. Mais était-ce bien eux qui les avaient créés avec les outils dont ils disposaient à l'époque? Et si ce n'est pas eux, qui les a créés et pourquoi?